Good morning, Aleiden, tu seras aujourd'hui le Nishmat Avraham, Mordechai Ben Yitzhak, Befani. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, comptez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Mat Katan, Perigimel, Mishnah Zain, Enkor, In, Velocholtzin, Ven Mavrin, à la Kouvav Shalmit. Ven Mavrin, Ella Almitaz Kufa. Ven Molechine Betaevel, Lobe Tavla, Lobe Iskutla, Lobe Kanom, Ella Besalim. Ven omrim birkat avelim bamoed, aval omdim beshura o menachamim o potrin et harabim. On continue à parler des lois de deuil pendant Chol HaMoed. Jusqu'à maintenant, on a un peu rentré dans le sujet avec les travaux que les endeuillés ont le droit de faire en rapport avec les travaux qu'on a le droit de faire pendant Chol HaMoed. Ça, c'est original de remarquer que comment Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, qui a organisé et qui a rédigé les Mishnayot, en fait, il n'a pas fait de Maseret qui parle franchement sur les deuils, mais plus sur le Moed Katan, pendant les lois de Chol HaMoed, en nous apprenant que pendant la fête, comment se conduire en rapport avec les lois de deuil, et déduire de là, en fait, comment il est à la chôte du deuil. Il y a une Maseret qui s'appelle la Maseret Smachot, mais ce n'est pas une Maseret qui se trouve dans le Mishnayot, c'est des Braytot. Ça a moins de... ça n'a pas été organisé, ça n'a pas été rédigé par Rebbi, et ça a moins de poids. D'accord? Enfin, pour notre propos, concrètement, maintenant, jusqu'à maintenant, donc on a parlé de manière générale, est-ce que la fête va interrompre ou non le deuil? À présent, on va commencer à s'intéresser à un enterrement pendant le deuil et les conduites en rapport avec l'endeuillé pendant le deuil, parce qu'on ne prend pas de deuil. Bien sûr, pendant Chol HaMoed, Shaloneda, Leolam, mais en tout cas, il n'y a pas de deuil pendant Chol HaMoed, mais malgré tout, au moment de l'enterrement et en rapport avec après, il y a quelques petits usages. On a quand même quelqu'un on a des proches parents qui sont tristes, qui pleurent leurs défunts, et il faut quand même au moins en faire quelque chose, quoi. On ne va pas les laisser se morfondre tout seul, quoi. Mais d'un autre côté, combien? Parce qu'il ne faut pas prendre de deuil. Surtout que pendant Chol HaMoed, on n'a pas le droit de faire des espédim aussi. Alors tout ça, ça va faire qu'on a une des conduites spéciales adoptées pendant Chol HaMoed, et qui sont dans notre Mishnah. Tout d'abord, je traduis la première phrase. En korin, on ne déchirera pas les vêtements. Velo choltin, on ne sortira pas l'épaule. Et on ne fera pas la VN Mavrin, on ne fera pas la Seudat Avra'a, de faire le repas des endeuillés, un repas spécial qu'on fait aux endeuillés après l'enterrement. Eh bien, on ne fera pas ces choses-là. Et là, Krovav Shelmet, que pour les proches parents du défunt. Bon, on va faire un petit peu d'ordre. D'abord, ceux qui sont imposés de prendre le deuil, il y a 7 personnes. Comme c'est dit dans la parasha du Cohen, son père, sa mère, son fils, sa fille, son frère, sa sœur et sa femme. 7. D'accord? Tous les proches, ça c'est imposé. Maintenant, il y avait des usages très fréquents qui existent encore dans certaines chassidouillot, c'est plus fréquent et tout ça, qu'il y a une famille plus large qui prend le deuil au moins le premier jour, au moins quand ils sont en présence. Et ça rapporté dans la Gemara. Aujourd'hui, c'est presque plus en vigueur, je crois. À part, franchement, les quelques chassidouillot, je ne sais pas, d'avoir chez les Thémanim aussi, sûrement, il doit y avoir des choses comme ça. Parce que c'est des keilotes qui ont gardé les usages les plus authentiques, sans tous les changements au fil des générations. En tout cas, il y a un usage que la famille un peu plus large prenne aussi le deuil, au moins le premier jour. Disons, les conjoints, genre le gendre, aussi prend le deuil au moins le premier jour, tandis que sa femme, elle va continuer pendant 7 jours. Il y a comme ça des usages. Madame Michel nous dit, pendant la Moed, toutes les halakhot, strict minimum qu'on va permettre, c'est pour le strict minimum de personnes aussi. Et concrètement, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, on va dire qu'il y a la kriya, de déchirer les vêtements. Khalissat akatef, sortir l'épaule. Il faut savoir qu'à l'époque, aujourd'hui, si vous assistez à un enterrement, ben vous avez vu qu'il déchire les vêtements. Il y a des halakhot, soit à droite, soit à gauche, ça dépend pour qui. Il y a tout le partenaire ici qui nous fait un petit compte-rendu de toutes les halakhot de deuil, de la kriya qui sort de la gemara, de comment le déchirer. Démarrer à partir du bord, pour qui? Est-ce que c'est pour les peuples? Est-ce qu'il faut déchirer tous les vêtements ou juste le vêtement supérieur? Ça dépend en général, le père et la mère, c'est plus grave que tous les autres endroits. Tous les endroits, ça suffit un seul vêtement. Tandis que pour le père et la mère, il faut tout, jusqu'à qu'on découvre le cœur. Et il faut en plus à démarrer depuis le bord du vêtement. Comme ça, on voit bien un habit qui est franchement déchiré. Pas en plein milieu, ça c'est pour les parents, pas pour le reste. Donc, toutes les halakhot de kriya sont toutes évoquées ici. Après, quand ils avaient fini de déchirer le vêtement, ils avaient l'usage de sortir l'épaule, apparemment l'épaule dénudée, je ne sais pas exactement comment ça se passait par rapport à la tzniout, même des hommes, c'est un peu bizarre quoi. Mais en tout cas, ils avaient l'usage de sortir l'épaule, de se déchirer le vêtement, mais de sortir l'épaule, d'être dénudé. Ça s'appelait des chaloutsei katef. Ça exprime qu'on est déchiré par la scène, manifester sa peine.
Ve'en mavrin, aussi on ne fait pas la Seudat Avra. Alors la Seudat Avra, ce n'est pas des endeuillés. Que où on mange les fameux usages de manger, on donne d'abord on lui donne le pain en main, on lui donne un, soit des œufs, soit des lentilles, soit chacun avec ses usages. Et il y a un truc particulier, le point essentiel qui rapporte dans la Gemara, c'est que ça doit être une Seuda qui vient des voisins. C'est pas lui-même qui se finance sa Seuda. J'imagine que c'est plus un principe de chesed que tout le monde vient après l'enterrement. Ça implique que le premier repas, juste après l'enterrement. Il ne doit pas manger de chez lui. Quand j'ai lu, il ne mange pas de sa nourriture. Il doit attendre qu'on lui apporte. Imagine que c'est... Je ne sais pas exactement, c'est pas précisé, mais je suppose que ça doit être... le principe, ça doit être comme si que c'est une mise à très saine pour les autres, que maintenant il y a quelqu'un, il y a un voisin qui a un problème, on va tous chez lui, on va l'aider, on va l'assister. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut forcément des autres personnes, des étrangers qui viennent l'apporter à manger. Donc, on a dit maintenant, pour la Seudat Avra, et pour ces trois choses-là, donc le déchirer le vêtement, Khalitsa Taketev, sortir l'épaule, et... La Seudat Avra'a, le fameux repas des endeuillés juste après, eh bien, il n'y a que les sept proches à qui réaliseront l'usage pendant la moelle. Le reste, non. De même. Ah, mais cependant, En Mavrin, Ella Almitaz Kufa, on lui fera la Seudat Avra'a que sur un lit qui est dressé. Vous vous rappelez qu'on avait dit que pour les dans les lois du deuil, ça implique qu'on retourne. Avant, ils avaient l'usage de retourner tous les lits. Tous les lits, imaginez, tous les lits, on les retournait, on mettait le matelas par terre avec les pieds en l'air. C'était. Skifat Amita. J'ai un doute, c'est Kfouya. D'accord. Aujourd'hui, on n'a plus l'usage de le faire de toute façon. On a quand même l'usage de s'asseoir par terre aujourd'hui, bien sûr, comme vous connaissez la loi du deuil. C'est un dérivé de cette loi. C'est-à-dire, initialement, quand il fallait. Je ne sais pas s'il fallait retourner le lit ou s'il fallait le lever, j'ai un doute. Je ne sais pas pourquoi. Le mot Skifat Amita, c'est-à-dire lever les lits. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai en tête que dans la Gemara, ça sort qu'il faut retourner le lit. D'accord. Je ne sais pas, en tout cas, ça change rien. C'est un usage qu'on n'a plus en vigueur aujourd'hui, qui a été annulé, mais que quand même on a gardé quelque chose à la place, c'est de s'asseoir par terre. Eh bien, la Seudat Avra'a Achol HaMoed, on la fera sur la table. D'accord ? Puisqu'on entend parler des lois maintenant de Achol HaMoed, comment ça se passe ? Achol HaMoed, quand ils ont fini l'enterrement, ils rentrent à la maison, eh bien, c'est pas eux qui doivent manger le premier repas, tout de suite ils vont faire la Seudat Avra'a, c'est les voisins qui vont amener à manger, mais on va le servir à table. Ok ? Maintenant, pour le servir à table, alors, même à Chol HaMoed, il va falloir que quand on va lui apporter les repas, eh bien, on n'apportera pas le repas de la Seudat Avra'a aux endeuillés. À Chol comme à Chol HaMoed, on va expliquer la précision ensuite pourquoi. L'eau betavla ni sur une table, un grand plateau. Velo be iskutla, c'est aussi un plateau en or, en argent. Velo be canon, c'est aussi une autre sorte, plus précise, tellement qu'on ne comprend pas ce que ça parle. Mais en tout cas, c'est des sortes de plats luxueux et de paniers importants, et la Bessalim, ce sont des petits paniers qui sont en petits arava, qui sont faits avec des feuilles de saule, des tiges de saule, quelque chose de très simple. En fait, c'est une loi qui est en vigueur pour tout le temps. Quand on fait la Seudat Avra'a, quand on va leur servir, eh bien, il ne faut pas amener ça dans des plats respectueux. Il faut apporter dans... C'est le moment de témoigner de la chifloute, de la tristesse, de la bassesse. Ce n'est pas le moment d'amener tout le matu vu et m'apporter des beaux plateaux. Non, on apporte ça de manière très, très sobre. Et bien, le chidouj à la Mishnah, il est que même pendant Chol HaMoed, où il ne faut pas faire des lois de Avelut, Befaresia, on cherche à malgré tout garder une certaine sobreté. D'ailleurs, quand on va lui apporter le repas, on va manger, on va lui servir à manger sur une table, on ne va pas lui dire de s'asseoir par terre. Parce qu'il n'y a pas pendant Chol HaMoed le devoir de retourner les lits et tout ça. Donc il pourra s'asseoir à sa table normalement pour manger. Malgré tout, lorsqu'on lui apporte, on ne lui apportera pas. Même pendant Chol HaMoed, on ne l'apportera pas dans des grands plateaux, histoire de camoufler le deuil. Non, on pourra le faire, parce que ça n'exprime pas le deuil, ça exprime juste une peine, et quelqu'un qui est en peine, on ne va pas lui mettre du luxe dans la tête. D'accord ? Et la Bessalim. De même, Venomrim Birkat Avelim Bamoed, on ne prononcera pas la bracha des Avelim pendant Chol HaMoed, il y avait une bracha spéciale pendant le Birkat Amazon, ensuite justement de ce repas, il y avait toute une bracha, il rajoutait sur un verre, alors initialement, ça rapporte dans la Gemara, l'usage initial, c'était de le faire sur un verre de vin, et de rajouter des brachot plus que les quatre brachot du Birkat Amazon, rajouter en plus des brachot en plus en rapport avec les endeuillés, et en rapport avec les gens qui sont venus leur faire le Nichum Avelim, et bien cette bracha-là, on ne la prononcera pas pendant Chol HaMoed. Et aussi, Aval Omdim Beshura, maintenant, c'est vrai qu'on ne fera pas cette bracha particulière, je ne sais pas si on parle de la Seudat Avra'a, peut-être que je suis parti un peu trop loin, hein. Ou si, non, ça a apporté justement.
J'ai eu un doute sur ça, mais il rapporte en fait l'histoire dont Tivret Israël, c'est lui qui précise. Non, la Birkat Avelim, c'est la bracha des endeuillés qu'on disait, le Tzidouk Adin, en fait. Le Tzidouk Adin, c'est de dire la bracha sur les. Quand on arrive au cimetière, on dit une bracha sur les morts en leur disant que Hachem dan otam bedin, veya mid otam bedin. Et alors, cette bracha, on ne la prononcera pas pendant le Moed, même lorsqu'il y a un enterrement pendant le Moed. Par contre, à la fin, après l'enterrement, aval omdim beshoah umenachamim, après l'enterrement, on fera les. Vous connaissez comment ça se passe, on fait deux rangées, et les gens passent et on leur dit qu'on leur présente les condoléances, ou que chacun selon son osar, et ça, on le fait normalement, on fait deux rangées, et les endeuillés passent au milieu, et on leur souhaite ça. Et bien, on pourra le faire, même pendant Chanoued, il faudra le faire, même pendant Chanoued, et présenter donc les Tanchoumin. Par contre, au poterie de Rabbi, mais dès qu'on a fini de faire les poteries, on dit à tout le monde, allez, rentrez vite tous chez vous. Soit, parce que l'usage après l'enterrement, de manière générale, c'est d'accompagner l'endeuillé jusqu'à la maison, de l'assister. Et le problème, c'est que si on va commencer comme ça, on va se mettre à faire des hespédim et à parler du défunt avec toute la peine qu'on a. Et on ne veut pas pendant le moed qu'il parle du défunt et qu'il éveille la peine. On veut qu'il calme la peine. Donc de ce fait, dès qu'on a fini, ils ont fini. Et bien, ils se disent, Sraktaméach, et ils rentrent chacun chez soi avec l'endeuillé. Et lorsque l'endeuillé arrive à la maison, les voisins arrivent pour lui apporter la Souda Tavra. Mais on ne va pas faire que maintenant, on va faire toute l'escorte jusqu'à qu'on va l'accompagner à la maison et pour partager sa peine, parce qu'il ne faut pas éveiller la peine. Et pas éveiller le hesped. D'accord? Et bien, Bezrat Hashem, qu'on entende toujours que des bonnes nouvelles chez tout le monde. Et en vous souhaitant une excellente journée, Kol Tuv Sela.